Bonjour à tous. Okay. Salut. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Denis-le-Bel pour la journée M organisée par BMW Dupont-SA. Présentation donc M4 et M1000RR. Donc on se retrouve maintenant avec une 1000RR de type course. Bah, exactement. C'est la nouvelle moto qui est sortie cette année, enfin en tout cas pour l'année prochaine. C'est vrai qu'elle est juste magnifique. Moi, j'adore les couleurs, j'adore la forme et les formes qu'elle a. C'est vraiment quelque chose d'assez pointu. C'est très, très joli. Ouais. On voit quelques impacts maintenant sur la moto qui vont l'aider à haute vitesse pour garder le. Bah oui, il y a les ailerons qui ont apparu. Alors non, c'est pas gadget. C'est vraiment quelque chose de très, très utile, surtout avec des motos aussi puissantes. Ça permet d'éviter les roues arrière incontrôlées, entre guillemets. Alors attention, ça ne fait pas tout, mais ça aide énormément. Après, on a aussi un système de freinage qui est différent, qui est encore plus puissant que la version S1000RR. Et puis après, bon, il y a la fourche qui est différente, il y a l'amortisseur qui l'est aussi, la géométrie de la moto est aussi un peu différente. En fait, ils ont un peu pris une S1000RR et ils ont essayé d'en faire une moto encore plus polyvalente et encore plus performante. Un bras arrière réglable. C'est ça, etc. Alors ils avaient déjà un petit détail sur l'ancienne, mais là il l'est encore plus. Donc ça reste une moto qui est extrêmement performante. Pour vous donner un ordre d'idée, cette moto a roulé pendant des essais de Superbike, en même temps que les motos Superbike, donc la BMW Superbike, et l'écart entre une moto complètement stock comme celle-ci et la Superbike était de 1,5 seconde, voire 2 secondes, donc ça reste des écarts très très légers, sachant que le moteur était quand même moins puissant, mais voilà, ça prouve à quel point la moto est extrêmement performante. En termes de spec, au final, ce qui change en termes de chevaux, gagne 5 chevaux. C'est ça, ça gagne 5 chevaux. C'est, ça peut tours. Ne pas paraître énorme, mais 5 chevaux entre le début et la fin, c'est un confort qui n'est pas négligeable. Sur la route, on ne le verra pas forcément, mais en tout cas, nous, pour la compétition, on peut voir le vrai changement. Ils apparaissent pas au même endroit. En non. De régime moteur. Je crois qu'on a gagné encore quelques tours. Ça a été poussé en 14 000. Je ne voudrais pas dire de bêtises. 15 000. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. N'hésitez pas à demander plus d'informations et à suivre l'actualité BMW et BMW Dupont-SA. Donc notre concession 876 rue de la Bergeresse à Olivet.